en panne. C'est pas bon le coup de la panne là, Laurent. Jazz. On est allé tout à l'heure dans les Morets, premier cru, l'échafaud. C'est vrai que c'est une parcelle que j'aime bien parce que quand on y est, quand on travaille dans la vigne, déjà on est au calme, on est loin de toute route principale. Il n'y a pas de bruit de voiture. On a une vue magnifique sur le vignoble. Et puis c'est une vigne qui est en coteau, en plein coteau. Donc là, ça donne toujours des vins qui ont beaucoup de caractère, et puis une typicité, une pureté qui est intéressante. Don't you go where fashion sits. Put no bits. Il faut savoir que quand le premier déligné a commencé, il faisait de la polyculture. Il n'y avait pas que de la vigne à Moret-Saint-Denis. C'était après la crise du phylloxéra. C'était des arbres qui étaient au milieu des vignes. Et puis avec la mécanisation dans les années 60, 70, l'enjambeur que vous avez vu tout à l'heure, c'était gênant d'avoir un arbre au milieu de la vigne parce qu'on ne peut plus enjamber rang. Donc tous ces arbres ont été coupés. Je représente la cinquième génération de la famille Ligné. Donc voilà, c'est une suite un petit peu d'un domaine familial où on s'est transmis le savoir-faire, la façon de faire. Après, chacun apporte bien sûr sa pierre au moulin. C'est important de créer une unité familiale. D'ailleurs, vous avez pu voir pour les vendanges, il y a des cousins, il y a des neveux, il y a des enfants, et ça c'est important pour créer une bonne ambiance, une bonne entente familiale. Voilà, c'est mon souhait et mon projet pour l'avenir. Voilà. Non.